à Lomé, au Togo, au centre des activités de la caravane pour la transformation sociale en Afrique de l'Ouest, l'on note une série de conférences, débats, de témoignages sur des cas d'accaparement des terres et la célébration le 25 novembre avec l'Association de défense des droits des aides ménagères de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Terre et souveraineté alimentaire, c'est le premier thème développé par le révérend pasteur togolais. Docteur Apounel a éclairé les lanternes des caravaniers sur le danger de l'accaparement des terres pour la souveraineté alimentaire des populations africaines. La souveraineté alimentaire est présentée comme le droit des populations, des communautés, des paysans à définir leur propre politique alimentaire, agricole, territoriale, ainsi que de travail et de pêche, lesquelles doivent être écologiquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à chaque spécificité. La souveraineté alimentaire inclut un véritable droit à l'alimentation et à la production alimentaire, ce qui signifie que toutes les populations ont droit à une alimentation saine, culturellement et nutritionnellement appropriée, ainsi qu'à des ressources de production alimentaire et à la capacité d'assurer leur survie et celle de leur société. Et si nous tenons compte de cette définition, nous devons immédiatement comprendre que la souveraineté alimentaire ne peut pas être atteinte sans la terre. Si nous n'avons pas de terre, comment pouvons-nous cultiver ? Si nous n'avons pas de terre, comment pouvons-nous nourrir nos populations, envoyer nos enfants à l'école? Tel est l'enjeu de cette thématique. Les violences dont sont victimes les aides ménagères ont été au cœur des échanges entre responsables de l'ADAD et les caravaniers. L'occasion pour les ADAD d'un plaidoyer contre les sévices que subissent les jeunes filles ménagères dans les villes africaines. Nous, ce qu'on peut faire, on n'a pas assez de force aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les parents depuis dans les villages. Parler de l'âge normal de travail des enfants aux parents dans les villages. Chaque année, les adultes organisent des missions dans les villages pour parler avec les enfants et les parents sur les droits des filles, y compris l'âge normal de travail des enfants. On parle aussi aux filles, les personnes qui viennent vous juste dans l'oreille là, qui viennent vous miroiter quoi que ce soit, il ne faut pas les écouter, c'est pour vous exploiter, c'est pour vous amener hors de chez vous pour mieux vous exploiter. C'est pourquoi l'idée est venue de créer l'ADAD dans ces différents pays, parce qu'on sait que la migration est transfrontalière. Donc il fallait créer les ADAD dans les différents pays. Les filles du Mali viennent au Burkina Faso pour travailler. Les filles du Burkina vont au Bénin. Les filles de Nantes vont en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce sens qu'on a eu à créer l'ADAD dans ces différents pays pour qu'une fille qui vient du Mali, une fois qu'elle voit l'association au Burkina Faso, qu'elle sait que c'est mon association à moi, même si je ne suis pas au Mali. Donc notre point fort, c'est la sensibilisation, c'est le plaidoyer. L'Université de Lomé a servi de cadre aux conférences débats de la deuxième journée de la caravane dans la capitale togolaise. L'accaparement des terres a largement occupé les échanges avec des communautés qui ont témoigné sur comment elles ont été dépossédées de leurs terres et les conséquences qui en ont découlé. Chez nous, c'est la pollution. La ville lave les façades. La pollution, la mer est polluée. Le lac aussi est pollué. Quand il dit, on ne peut pas sortir de nos maisons. Avant, c'était nos terres étaient sablonneuses. Mais avec leur bout de façade là, ils ont tracé des rues. Et quand il pleut, vraiment, on ne peut pas sortir. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'école. Les écoles qui sont là ne sont pas entretenues. Quand on leur demande, ils disent qu'il y a mévente. On se demande quelle mévente même. Ils vendent des milliers, des milliards. Mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On ne sait pas quoi faire. Vraiment, c'est une belle occasion pour nous de rencontrer aujourd'hui nos frères qui sont venus derrière. Les jeunes aussi sont délaissés. Si la société peut nous aider, on va aborder les amis, les dirigeants de la boîte, pour qu'ils fassent quelque chose. Ils ont oublié tous les villages. Il s'est présenté en 2006. Une seule dame s'est présentée disant qu'elle a plus de 5000 hectares pour son papa seul. Or, le village lui-même ne fait que 8000 hectares. On se demande, il y a une superficie qui a été acquise.
de son papa qui donnait 3 hectares aux choses, c'est ça que tout le monde a témoigné. Et avec cet petit réseau, une zone qui est habitée, plus de 316 habitations ont été accaparées par un groupe de gendarmes un beau matin. On ne sait pas si les titres fonciers qui se présentent entre le village arrivent à la gendarmerie. Certains qui n'ont jamais connu la prison, ils l'ont connu. Et ils ont délogé ces gens, détourné 216 maisons et habitations avec les gendarmes et les bandits du milieu. Les bonnes revendeurs du milieu, leurs marchandises, tout est saccagé, volé. Dans notre pays, il y a les terres qui sont accaparées et les victimes vraiment sont vraiment dans l'ignorance. On ne les considère pas et ils ne sont pas indemnisés. Donc, avec le passage de cette caravane, je pense que ça va vraiment redynamiser la mobilisation, la lutte pour que ces victimes qui sont les victimes d'accaparement des terres soient remplies totalement dans le droit. Les échanges furent enrichissants et ont conforté les caravaniers sur la noblesse du combat contre l'accaparement abusif des terres agricoles des paysans.